Re-salut, on va réaliser une deuxième recette. C'est des dates fourrées. Donc, c'est une recette aussi très facile. Kima les brookies, les danarons. Je vais vous expliquer. On aura besoin de quoi? Alors, bien sûr, on aura besoin des dattes avec un keton. D'abord, un seitan avec un chiffon humide. Je l'ai humidifié avec le mazhar, avec l'eau de fleur d'oranger. Voilà. Je marque le mazhar, je marque le chiffon, ou je marque les dattes, je marque les tranches, ou je chiffon neuf. On a fait l'adma. Voilà. Je marque du beurre ramolli, zibda daïba. Je marque kila d'allouz ma kilo de sucre glace, mazhar ou le colorant pour après. Nous direct. Sucre glace, par contre, un zéro. نجيبو المزهر نبلو بالمزهر سي بون تغرق طيرات بركة ابخي تزيدو على حسب لا كونتيتي ونجو نطمو بالزبدة شوية شوية la boule tana. Voilà. Dans un sachet. La même chose. Du sucre glace. Alors on a dit à la zouj mamlat parce que wahda je vais la colorer wahda la kila ta louz tarat ta mazhar. Thank you.
والزبدة نزيدو بالعقل. L'essentiel, c'est qu'on obtient une pâte d'amande. الزبدة تخلي لاباط دامون تاعنا طرية. Voilà, la deuxième boule éterne de la pâte d'amande. On va la colorer. On nettoie le plan de travail. نجيبو الكولوران. الوغ انا جي با دو كولوران فير دونك خلطت باش دير كولوران. نقسم لاباط تاعي Donc j'ai mélangé deux colorants, le jaune et le bleu, pour obtenir un vert. Donc je ne sais pas qui fait un vert. Sinon, tu peux utiliser du colorant vert directement. Wadjet. Là, maintenant, alors voilà la couleur que je voulais obtenir. Du vert.
Alors, mon boudin, à la roquebelle. Je remarque sur la masse. Et l'idéal, c'est de faire, c'est de former des boudins. Voilà. Je vais chercher un autre coteau. Voilà, ça c'est la première réalisation, c'est la première date fourrée en couleur verte. J'ai juste fait laisser, on va laisser là. Et je vais la décorer avec de la pistache. Les mains douche la pistache et tout, mais je ne sais pas. Voilà, c'est juste pour donner de l'effet. La pistache. Hein? La date tellement. Voilà la petite caissette. Voilà la petite date. Normalement, vous concassez la pistache. Voilà. Des petits boudins. On va colorer la deuxième pâte. Alors, on colore la pâte deuxième. J'utilise du colorant gel. Après, le colorant, les sables.
comme c'est du gel, on va mettre la couleur. Parce que sinon, il est bien et... Après, tournant le degré de la couleur, les habots ou slow. Allez, c'est bon. Je ferai la même chose avec mes boudins. Qui est con. Débordé. Prêt, on fait rien. On va réajuster. Le stockage de la caméra, donc je sais pas est-ce que je vais continuer le con ou pas. Voilà. Le sucre. Ok, les ouvres qui me maintenant, moi je vais utiliser des noisettes. Donc, je suis pas professionnelle. Je le redis. Mais, à notre façon. Je vais vous dire ودوك طورت الحالة. alors دوك نزيدو نجيو نديرو لا تخواس ديال كولور اللي هي لا كولور بلونش. دونك درنا الروز درنا الفير برموا الحبة باش تجي شابة نحطو في لبس الكاسات نعملو هكدا ان تي ديكور وهادو راني حندير لهم حبيبة الجوز نعملو ان بودان نجيبو الحبيبة تاع التمر نحطوه لداخل هنا نسكموها بيدينا نبرموها نبرمو الحبيبة تاعنا بيدنا نجو نديرو لها الموس ونجو نحمسو على نص حبة تاع الجوز نورمال
نعمل وجد قاع لي بودان تاوعي ونبدا نخدم اي معليش فيكم ما بقاليش بزاف كمل نخدمهم Bien sûr, il a déjà comme vous d'attendez le Québec. Vous taillez les bords et tout ça. شوفوا الحبيبة كيفاش نبرموها عندي ولا بتيت كيسات عم يتباعوا هاد لي كيسات صغيرة بري باش تشوفوا une assiette variée de dattes fourrées. Voilà le résultat final. Voilà, je vous dis bonne nuit et à tout rendez-vous, inchallah. Voilà, au revoir.